Mercedes s'attend à être moins compétitif au Brésil. Ah non, hein. Ah non, hein. Donc James Walls. La première est que nous avons apporté des évolutions majeures à Austin. Ça nous a fait progresser le Mexique, l'a démontré encore davantage. La seconde est que nous sommes très bons quand nous roulons avec l'appui maximal et les autres aussi. Ça s'est vu à Zandvoort et à Budapest. Et le Mexique n'y a pas fait exception. Au Mexique, tout le monde avait l'aileron arrière maximal, la quantité d'appui maximale qu'il puisse se permettre. Compte tenu du rôle majeur joué par le vent à Austin, je pense aussi que nous n'avons pas forcément vu la performance absolue des évolutions. Tandis qu'au Mexique, il n'y avait pas de vent, à proprement parler. Nous avons désormais une voiture qui semble être équilibrée et bien fonctionner. Quelles seront ses performances dans les deux prochaines courses? C'est dur à dire. Dans le cas de Mexico, il semble que Ferrari ait perdu du terrain, mais je présume que ça ne sera pas le cas à l'avenir. Certes. Je pense pas que nous jouerons du même niveau de compétitivité au Brésil. Ça sera pas bien différent, mais ça pourrait être un petit pas en arrière. Je m'attends certainement à ce que Ferrari soit plus proche qu'au Mexique. Certes, l'altitude est plus élevée que d'habitude, c'est 700 mètres à peu près, mais le tracé et la piste et le niveau d'appui sont également un facteur. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous fonctionnons vraiment bien sur les appuis à fort appui. Ce n'est pas ce qui va suivre au Brésil. Ah ouais? Ils mettent pas le full appui au Brésil, hein. C'est intéressant ça. Pourtant, il n'y a pas d'énorme ligne droite. Ah si, il y a quand même la dernière ligne droite qui est assez grande. Mais bon, après, il y a quand même beaucoup de virages sinueux. Mercedes ne perd en tout cas pas espoir de rattraper son retard sur Ferrari pour placer l'équipe deuxième. Le Grand Prix de Singapour avait fait mal aux hommes de tout. Non, c'est mort, ça j'y crois pas. Et vaut mieux rester troisième, hein, pour les pourcentages en soufflerie, là, au final. Là. Notre objectif interne est très clair, nous sommes là pour finir deuxième du championnat, et chaque course où nous pouvons commencer à réduire cet écart de points est un succès. Au Mexique, nous n'avons pris que 13 points, alors qu'il en reste 40 en deux courses. Heureusement, il y a une course sprint. Je pense que nous avons maintenant un package qui est vraiment capable de les concurrencer, contrairement au début de saison et au milieu de saison. Mais 40 points, c'est vraiment beaucoup demandé. Il faudra que nous fassions vraiment tout à la perfection et que Ferrari nous donne peut-être des opportunités pour nous ouvrir la voie vers deuxième place, c'est-à-dire un abandon, quoi. Ah, s'ils font un double abandon sur une course, c'est que Mercedes fait 3 ou 4 ou 4 ou 5, enfin, non, 3 ou 4 ou 2 ou 3 même. Là, par contre, oui, effectivement, la deuxième place peut être visée. Mais bon, à la régulière, je pense pas que 40 points en deux courses, c'est trop quand même. C'est pas comme si Mercedes pouvait gagner des courses et Ferrari non quoi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'abandonnera pas avant le drapeau à damier à Abu Dhabi. Très bien. Bah, écoutez, à voir. J'espère que le Grand Prix du Brésil aura lieu. Parce qu'apparemment, bon, c'est un peu la merde là-bas. Hein. Allez, je vous laisse commenter.